Explosion TV, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour guide de pro numéro 2 sur Five Nights at Freddy's numéro 1. Comme d'habitude, le gameplay enregistré par Monsieur Lardon, son Twitter sera comme d'habitude en description, le mien aussi. Un grand merci à lui, profitez de la vidéo, n'oubliez pas le like, et on se retrouve enfin. Bien évidemment, le jeu lag, donc désolé, putain. Bon, alors, je fais une vidéo sur FNAF 1, une deuxième fiche technique. Et ce qui s'est passé, c'est que déjà sur le journal, il y a écrit « On n'est pas des responsables des démembrements ». Donc ça donne vachement envie. Et juste avant, j'ai fait 30 minutes de rush parce que mon jeu, il est bugué sa mère, parce que j'ai un téléphone une merde. Mais, je pouvais pas le monter les 30 minutes, donc j'ai la haine. J'ai fait 3 nuits pour rien. Donc, go le refaire. Alors, dans ce putain de jeu, on a beaucoup de cams. On a aussi des portes et des lumières. Ta gueule, on a des portes et des lumières. Les portes pour se protéger des connards qui arrivent. Et les lumières pour les voir seulement s'ils sont collés. Hein. S'ils sont au niveau de la vitre, tu les vois pas. Mais s'ils sont bien collés, tu les vois. Il y a trois connards principaux. Bonnie, Chica et Freddy. Et le plus agressif selon moi, c'est Bonnie. Parce que ensuite il y a Foxy, mais lui il arrive un peu plus tard. Nuit 3 d'ailleurs, il est pas venu, mais Freddy est venu, donc c'est étonnant parce que normalement il arrive nuit 2. Pour le tenir à l'écart et éviter qu'il commence à faire le sandbox là, ici, parce que en fait quand il sort d'un coup, les rideaux sont grands ouverts, tu le vois plus dedans. Tu vas cam 2A, tu le vois courir, et du coup, il doit fermer la porte super vite. Sinon, tu te prends un vieux screamer. Pour le ralentir, en gros, tu dois le regarder un maximum. Sinon, il commence à bouger et c'est la merde. Et aussi, les premiers mouvements, c'est Bonnie ou Chica qui les feront. Enfin, les deux vont cam 1B. Ensuite, Bonnie va cam 5, normalement, et Chica cam 7. Des fois, on entendra des bruits de casseroles qui tombent, ou des armoires, ou n'importe quel truc qui ressemble un minimum à des casseroles. Et ça sera Chica qui sera cam 6. Cam 6, comme on peut le voir, la caméra est désactivée, il n'y aura que l'audio. Des fois aussi, t'entends des pas, et souvent c'est ceux de Bonnie. Ils sont assez inanimés pour l'instant. Donc aussi après d'intenses minutes de réflexion, c'est faux. J'ai trouvé une conclusion assez cool. La caméra, il faut l'utiliser très peu, genre faire ça, tac 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 tac, genre tu regardes, hop, tu enlèves, lumière. Lumière, tu revas cam. Il ne faut l'utiliser que pour la cam 1C, 2A, 2B, 4A, 4B. Et aussi pour voir si quand Freddy bouge, parce qu'il est très dur à trouver, quand Freddy bouge, pour le trouver, il peut être cam 1B, cam 7 ou cam 4B. Et Freddy, c'est le plus dur à apparaître, enfin, c'est le plus compliqué à comprendre. Quoi. C'est environ tout pour la fiche technique. Comme on peut le voir, on a toujours ce putain de ventilateur qui fait un maximum de bruit. On apprécie beaucoup. Des fois, il y a des musiques qui se déclenchent, tu sais même pas ce qu'elles font là. Par contre, c'est moi où ils bougent pas du tout là. Parce que le règle de 30 minutes que j'ai fait avant, nuit 1, Bonnie m'a agressé deux fois. Genre, il me tabassait la gueule à coups de batte de. On bat les couilles, hein. Rien à foutre. Baseball, là, pourquoi il est en stand-by? Bon. Voilà, je vais faire une méga coupure. Ah, voilà, Bonnie a bougé et voilà, il est cam 5. De toute façon, son premier mouvement, c'est obligatoire qu'il soit soit cam 1B, soit cam 5. Cam 5, c'est chez leur chirurgien. Et cam 1, c'est là où il y a tous les enfants morts, finalement. Bonnie ne bouge pas. Il est peut-être glué au sol, hein. Il n'y en a aucun qui bouge en fait, c'est ça, elle est cool la nuit vraiment, parce qu'elle va durer 10 minutes pour rien. Parce qu'en fait mon jeu est tellement cassé, que l'heure je crois qu'elle défile plus lentement. Et c'est chiant à mort, c'est vraiment l'ennui... Incroyable. On peut voir qu'il n'entretient pas son bureau ce clochard. Même dans les couloirs c'est ultra sale genre... Je sais que c'est abandonné, qu'il y a des enfants morts, mais un minimum d'entretien, s'il vous plaît. Ok, il y a des cadavres, mais c'est pas des toiles d'araignée, c'est pas hygiénique.
Oula, le cupcake me fait peur, j'ai cru qu'il y avait un truc qui me fixait. Alors qu'il y a un truc qui me fixait, c'est quand même dingue. Oh, Chica a bougé. Où peuvent pauvres petits être, où ils peuvent bien être. Oh, Chica a bougé. T'es ma Chica maintenant. Elle est là. Non. 5h du mat. Je suis devant la librairie. Et Bonnie, ici, on le voit très très peu. Mais on le voit quand même, il est debout. Oh, tu vois Freddy dans les cams, tu peux le voir qu'avec ses yeux, ses petits points blancs là. Et là, il fait un peu peur, tu vois. T'as l'impression qu'il va te baiser ta race, alors qu'il va juste te baiser. J'entends des trucs qui frappent, frère. Comme on peut l'entendre. Chica est en train de déplacer des meubles. 6h du mat. Le jeu, il rame. Du coup, là, ils vont être un peu plus agressifs. Donc, autant ne moins utiliser les cams pour conserver la batterie, parce que... Tais-toi. Parce que, je l'ai pas dit, oui, mais il y a un pourcentage de batterie et d'usage. Donc, plus tu utilises de choses, genre la porte, plus l'usage augmente. Et oui. Wow. Mais attends. Mais il est où Bonnie? Parce que là, il y a Chica. Bonnie, il peut être que là, 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 ou là. Il est où? Il y a quelqu'un qui fait dom-dom-dom, mais laisse-moi tranquille. Attends, j'ai dit qu'ils allaient être un peu plus agressifs, pas qu'ils allaient me baiser mes morts. Voilà, Bonnie est là. Chica est dans la cuisine, parce que c'est une grosse... Bonnie n'est plus là, mais wesh. On est dans... Mais il est 12h du mat. Il est 12h du mat. Il est 12h... Oh, putain. Je suis épuisé. Là, Bonnie est dans le KGB. Souvent, quand tu le fais fuir alors qu'il est là, genre... Il va se réfugier dans le KGB. Je sais pas pourquoi. Par contre, les gars, il est 1h du mat. On est nuit 2, mais qu'est-ce qui se passe en fait, nuit 5 ils arrivent avec des fusils à pompe. Ils me tirent dessus à travers la vitre, là. Bonnie est dans le couloir. Freddy est là. Freddy, j'espère qu'il bouge pas nuit 2 parce que normalement il s'active nuit 3. Foxy ne bouge toujours pas. Hein. Foxy, vraiment, il a un bug. Il est 1h du mat, mais gros, mais. Chica a fini de graille. Non, j'ai rien. Putain, mais c'est pas possible. Mais elle est en train de chercher des céréales Lyon dans une botte de foin. Là. J'ai entendu faire prout. Donc là, Bonnie est heureux dans son putain de KGB. Chica est là. Bonnie est toujours là. Bon, pour l'instant, rien ne va. J'ai utilisé trop de batterie pour trop peu de temps de jeu, là. Chica fait vraiment peur, hein. C'est un truc de ouf. Je vais manger ton âme, PTDR. Oh. Bonnie. Fils de pute. Putain, j'ai craché sur mon écran comme un énorme obèse. Et en gros, Bonnie, quand il est là, on le voit parce qu'on dirait qu'il fait un fuck. Très clairement, on dirait un fuck. Et quand il est plus là, bah y a plus de fuck. Allez, casse-toi. Bon, normalement, dès qu'on n'entendait pas, il est plus là. Mais bouge de là! Mais tu me fais niquer ma batterie! Olivier! Mais... Mais casse-toi en fait! Merci! Arrêtez de me stresser, bande de saligots. Mais frère, arrêtez de faire des pas, putain. Non, je peux pas fermer. Pourquoi je peux pas fermer? Mais Bonnie, il est en train de bloquer la porte avec ses mains. Faut toujours faire gaffe. Je vais gagner la nuit parce que j'ai un bug ou c'est moi là. Mais j'ai une version buggée ou quoi? J'ai l'impression de... Je vais t'enculer. T'as pas pouvoir avoir de screamer.
fils de... Yeah, boy. Sale bâtard. Mec. Mais c'est pas possible. En plus, je dois arrêter le ref. Bon, je dois arrêter là. J'ai pas passé la nuit 2 parce que je buguais apparemment. J'ai une version de merde. Mais là, franchement, c'était assez violent. Bon, voilà, bisous, bye bye. Et donc, re tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, va check les... Va check les Twitter en description. N'oublie pas de te réabonner. Tu te réabonnes, parce que tu te désabonnes et ensuite tu te réabonnes. Parce que l'abonnement, c'est important, Yazubi. J'espère je perce. Faites-moi percer. Fais-moi percer, Yazubi. Non, en vrai, je rigole. Mais like quand même. Et va voir les Twitter, quoi. J'espère que ça t'a plu, cette explosion. Peace. Ah, ballon de boy est parti.